Yo tout le monde, allez, aujourd'hui, nouveau challenge, ça fait un moment que j'en avais pas fait, et pour la petite remise en forme, j'ai choisi un sommet hyper simple, où ça fait que de monter. Non mais je rigole, on verra bien si j'arrive en haut, avec mon guide Leïla. Salut! Donc direction Gramont, on passe par Tanet, et ensuite on grimpe jusqu'en haut, pour découvrir un panorama de ouf. On est parti sur la montée, direction le Gramont, avec un peu plus de 800 mètres de dénivelé, ce qui est déjà pas mal. Hein. La montée pour l'instant, ça va, la respiration, ça va, on verra après. Voilà, on est arrivé au point décisif qui est ici. Et maintenant, c'est à moi de choisir si j'ai envie d'aller jusque là-haut, où vous voyez la petite croix, ou bien ben, je reste ici, quoi. Mais quand tu as un panorama comme ça, et que tu sais qu'en haut, il sera encore plus beau, tu peux que te réjouir de grimper sur ce sommet. Let's go! On l'a fait, nous sommes actuellement au Gramont qui culmine à combien déjà le Gramont? Ah non, je sais pas. Ah, bon, j'ai demandé un renseignement, ça va arriver. 2171 mètres, avec un panorama incroyable sur le lac Léman. Bon les amis, c'est ici que cette randonnée prend fin et franchement, elle en valait vraiment la peine. Ça montait sévère, on a fait 1100 mètres de dénivelé, mais la vue était un cadeau sublime. Et franchement, la balade est magnifique, les panoramas sont super beaux. Ça monte, mais c'est accessible franchement. Pour un gars qui aime pas trop marcher, c'est vraiment accessible. Je vous laisse sur de belles images. Ici, on se situe au lac Tanet, un magnifique lac de montagne où tu peux faire le tour. Moi, je te dis à très vite. J'espère que cette randonnée t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce en bas, de t'abonner. Moi, je te dis à très vite dans de prochaines aventures. Allez, ciao !